ça va? Comment ça va bien, j'espère? Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Voici donc la partie jeu de France 2. Tout à l'heure, de la musique et des paroles. Maintenant, des mots. Des mots avec des mots et toujours des mots. Faire deviner des mots. Mot de passe, France2.fr. Si un jour vous avez envie soit d'être dans le public, soit de passer des castings pour être un candidat, bienvenue dans le monde de mot de passe. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Applaudissez Maxence et Sylvain. Mesdames et messieurs, voici nos deux candidats de la soirée. Si vous dînez tôt, eh bien, bon appétit. Voilà, nous sommes là, vous le savez, du lundi au vendredi et quelquefois même le samedi pour mot de passe. Alors, Maxence, comment ça va? Eh bien, plutôt bien. Attends, Maxence, j'ai un truc. Étudiant en commerce? Tout à fait. Où ça? À Tours. À Tours. A fait un raid en 4L au Maroc. Oui, tout à fait. La voiture est HS. La voiture est hors service, effectivement, oui. Et vous avez envie, justement, de gagner pour essayer de la réparer? Bah, de la retaper, voilà, tout à fait. De la retaper. Ouais. C'était quoi, ce raid au Maroc? Il y a 1004L, donc 2000 participants. D'accord. Et voilà, pendant 15 jours, on fait le tour du Maroc à travers les montagnes. Et ce sont souvent des étudiants qui font ça, hein? C'est un raid étudiant, tout à fait, oui. Exactement. Ouais. Alors, il y a à côté de vous, Sylvain. Bonsoir. T'es bien grand, mon gars. Ah oui, c'est bien. Combien vous mesurez? 1m90. 1m90, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis navigateur sur Mirage 2000. Vous êtes dans l'armée? Je suis dans l'armée de l'air, oui. Très bien. Et il y a marqué sur ma fiche, ne pas lui poser des questions indiscrètes sur les différentes missions qu'il a en ce moment pour le gouvernement français. Qu'est-ce Exactement. Que vous faites en ce moment? En ce moment? Je participe à un jeu télévisé. Voici Nathalie Corré et Florent Père. Laurent Père, Nathalie Corré, tu vas bien? Oh, la tricheuse! Oui! Eh ben moi aussi, alors, si c'est comme ça. Voilà. Ce sont des amis de la famille de mot de passe. Alors, bonjour. Évidemment, nous allons jouer ensemble. Je vous souhaite de passer un bon moment avec nous. On commence par les... Je vous l'ai fait ou pas? Allez, je le fais à la Julien Lepers. Et maintenant, les qualifications. Non mais je regarde moi la télévision, hein, Nathalie. Hein. Pardon? Je regarde la télévision, je regarde les différentes émissions de jeu pour savoir comment les animateurs font pour m'adapter. Bah tout à fait, bah oui. Alors, on va jouer... Mais initiez en même temps, initiez, faites des gestes comme ça un peu absurdes, peut-être qu'ils vont vous copier. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, Nathalie. Alors, on commence donc par 30 secondes, un point par mot, évidemment. Et à la fin des épreuves de qualification, l'un d'entre vous sortira évidemment premier et aura un bonus pour la suite. Mais nous n'en sommes pas là. On commence... 30 secondes, c'est parti. Nathalie fait jouer Sylvain. Oh, bonsoir Sylvain, j'adore l'aéronautique. Alors, neige. Pluie. Particules. Flocon. Chat. Chien. Pâte. Coussinet. Mâle. Griffe. Bah, je sais pas ce que c'est comme mot. On passe, on passe. Passe. Ah, montagne. Hauteur. Avenue. Boulevard. Magasin. Il s'agissait du mot luxe. Alors, ça fait deux points avec flocon et griffe. Et le mot que vous ne connaissiez pas, farmer. Mylène? Mylène Farmer. Oh, j'ai farmer. Lu farmer, je me dis, c'est un verbe que je connais pas. Non, non, non. Farmer. Ouvrir et farmer. Bien sûr. Ah non, mais je vous jure, j'ai vu farmer, je connais pas ce verbe, farmer. Oh, j'ai honte, pardon. Alors, on joue maintenant avec Florent Père, qui est en tournée dans toute la France avec son spectacle tout public ou pas. Je serai aussi à la Cigale au début du mois de juillet. Et à la Cigale, début du mois de juillet. Il joue avec Maxence. Allez. C'est parti, 30 secondes, un point par mot. Fumée. Cigarette. Gros. Passe. Churchill. Winston. Fume. Passe.
Art. Peinture. Maison. Artiste. Bah, c'était cigare. Et pour faire trouver le mot musée, Louvre. Ah ouais. Grévin. Bien sûr. Voilà. Florent Père. Bien sûr. Attention, attention, Florent. Alors, on n'est qu'au début. Et comme après, il y a encore des mots décisifs, vraiment, no panique. Sylvain va faire jouer Nathalie. 30 secondes, un point par mot. Vendeur. Acheteur. Supérette. Magasin. Poivre. Je passe. Farmer. Je rigole, je rigole. Je passe. Lima. Lima. Pérou. Arbre. Feuille. Socle. Racine. Gros. Gros tronc. Bravo. Ça fait 2 points. Ça fait 4 et vous avez terminé par l'espèce de gros tronc. Et ça, c'était bien. Ça, c'était parfait. On vous remercie, mais appelez-moi Nathalie, ça me fera plaisir. Voilà, non. Ça fait... Alors, le premier, le vendeur, oui. Le poivre. Le poivrier, non. Le... Épicier. Ah, oh là. Le deuxième que vous n'avez pas assez d'air pas jouer, c'était traduire. Le Pérou avec Lima, c'était parfait. Et tronc, ça fait 4 points. Maintenant, c'est Maxence qui fait jouer Florent Père. Et c'est parti pour 30 secondes. Animateur. Sabatier. Mine. Olivier. Passe. Plastique. Matière. Utiliser. Sac. Non, je passe. Mâle. Femelle. Promener. Balader. Et je l'ai pas. Ça fait 3 points. Car évidemment, on joue avec 5 mots dans les épreuves de qualification et ils reviennent à tour de rôle. 3 à 4, 4 à 3 avec Olivier Mine, que je salue. Femelle, baladée. Il y avait Vietnam, que vous n'aviez pas. Peut-être avec Hanoï ou Saïgon. Et puis l'autre, c'était recyclage. Poubelle. Oui, recyclage. Ah oui, récupération peut-être, ou déchets. Ou 4L, Maroc, enfin je sais pas. Bon allez, changement de partenaire. Changement de partenaire. Nathalie Corée va jouer avec Maxence et puis Florent Père va jouer avec Sylvain. Il y a encore 4 manches de qualification. Pour l'instant, Florent avec Sylvain, c'est parti. Taureau. Vache. Grimper. Monter. Western. Corrida. Presque. Passe. Montagne. Pyrénées. Route. Col. Travers. Tunnel. Eh bien, 1 point pour sortir du tunnel, ça fait 5. Rodéo. Rodéo. Alors, 5 points. Nathalie, donc, fait jouer Maxence, met ses lunettes, voit les mots et les faits. Devinez. C'est parti. Ah. Marcher. Courir. Rue. Promener. Personne. Promeneur. Presque. Marcheur. Rue. Passe. Passe. Œilleton. Insecte. Porte. Serrure. Non. Trou. Trou.
trou, sérieux, et tout. Le Judas. Judas. Alors, et le premier, le marcheur, la rue, c'était le... Piéton. Piéton. Voilà, 3, 5. Maxence, c'est à vous de jouer. À vous de faire deviner à Nathalie 5 mots, possiblement, un point par mot. Elle n'a pas les mots, elle essaie de les deviner. Bah, vous aussi. Et ah, avec... les gens qui regardent. Ah oui, donc... avec... oui, parce qu'on fait de la télévision. Ah oui. Alors, quand on fait de la télévision, il y a un moment donné, ce qui est quand même le plus important, ce sont les gens qui regardent. Mais puis, tout à l'heure, je me dis, on a beaucoup pensé, hein. Tu crois qu'on est entre nous là? Oui, oui, ah non, non, il y a quand même 2 millions de personnes qui sont en face de toi. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Ben, ah, oui, d'accord. Tu peux dire bonsoir, madame. Hein, bonsoir, madame, bonsoir, maman. Tu serais habillée si t'avais su. Voilà, voilà. J'aurais mis des chaussures à talons. Attention, Maxence fait jouer Nathalie Corré. Oreiller, coussin, enveloppant, thé, Marseille, ville, quartier, Provence, panier, non, je passe, perdu, oublié, individu, otage, non, je passe, lycée, lycée, école, avant, primaire, maternelle. C'est ça? Non, 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 c'est collège. Collège. Mais il faut que tu laisses le temps à Maxence de te donner un mot. Pardon. Pour la ping-pong. Un point avec Thé, ça fait 4 points au total. 5 points pour Sylvain, mais il y a encore une petite partie à jouer avec 30 secondes et un point par mot, possiblement. Là encore, on ne vous montre pas les mots. C'est parti. Je passe. Couille, testicule, devant, sexe, argot, bite, Clovis, Cornillac, vase, soisson, taureau, rodéo, femelle, vache, médecin, docteur, visité. 3 points, ça fait 8 au total. Et vous n'avez pas joué le premier qui était parmesan, vous avez joué le second. Nous, on cherchait celle d'amarrage. Et vous avez choisi l'autre. Mais... parmesan, bite, ça va, ça se passe bien ici ou... Ça se passe très bien. 8 points, vous êtes le premier des qualifications, bravo. Merci. Mais Maxence va continuer à jouer avec nous. Parce que tout peut changer encore, vous le savez. Vous aussi, vous jouez avec nous et gagnez la somme de 3000 euros, Nathalie. Car je m'adresse aux téléspectateurs qui l'ont regardé. Oui, ça y est, maintenant, car il y en a, évidemment. Les indices pour trouver le bon mot sont sport, glace et candeloro. Alors, d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce 1, patinage, 2, rallye? Je vous répète les indices. Sport, glace... candeloro. Envoyez votre réponse en O2 par SMS au 7-10-20 ou téléphonez au 32-43. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Et bien sûr, peut-être que vous serez, si vous donnez la bonne réponse, tiré au sort. Elle jouait, hein. Oui, elle pensait qu'elle allait devoir donner la réponse. Eh bien, c'est Sylvain qui se retrouve en tête pour la prochaine épreuve. Les mots décisifs. En étant en tête, Sylvain, vous allez avoir le partenaire qui vous a apporté le plus de points. On ne va pas changer les places puisqu'il s'agit de Florent. Donc maintenant, on a deux équipes. Sylvain, Florent père, Maxence, Nathalie Corré. Deuxième avantage, c'est-à-dire que maintenant, les compteurs sont remis à zéro. Mais pour vous, mon cher Sylvain, vous faites gagner à votre équipe un point. Le premier point, donc, c'est pour vous. Et puis, vous le savez, on va jouer au mot décisif. Le mot décisif, écoute bien, Nathalie. Hein, écoutez bien. Écoute bien, le mot décisif. On joue toujours avec le même mot à faire deviner pour les deux équipes. C'est le même mot. Alors, il y a soit Sylvain, soit Maxence qui donne en 10 secondes un mot indice. Et après, soit Florent, soit toi qui donne ce qu'il croit être le mot de passe. Si ce n'est pas le bon mot que l'on cherche, on passe à l'autre équipe et ainsi de suite. D'accord ? Mais on joue avec le même mot. D'où l'utilité d'écouter à la fois son partenaire, mais également tout ce qui se dit, puisqu'on cherche... le même mot. Maintenant que vous connaissez bien la règle, mon cher Sylvain, et vous qui avez gagné les qualifications, est-ce que vous voulez garder la main ou est-ce que vous laissez pour le premier mot Maxence à la manœuvre? On la prend. On garde vous la prenez main. La main.
Donc écoutez bien, on cherche le même mot et je vous aurais tout dit quand je vous aurais dit que c'est l'équipe qui arrive à 5 points qui part en finale. Donc c'est équipe contre équipe. Quand je dis remis à zéro, c'est pas totalement vrai puisque vous avez déjà un point de bonus bien normal puisque vous avez gagné les qualifications. On joue avec ce mot-là par exemple. Derrière. Devant. Maxence, 10 secondes. Continuez. Nathalie, 10 secondes. Derrière, continuez. Passer. Sylvain. Précéder. Devancer. Maxence. Allez. Derrière, continuez. Derrière, continuez. Attention au temps. Reculez. Alors vous ne l'avez pas trouvé, ça ne vous a pas porté chance ce premier mot. Il s'agissait de suivre. Oula. Oula. Ah oui. Ah oui. Bah si. Derrière, eh oui. Voilà, alors on aurait pu peut-être avec filet, détective. Oui. Alors, maintenant... C'est à Sylvain, donc, puisqu'on n'a pas trouvé ce mot, de nous dire s'il garde ou pas la main. Est-ce que vous conservez encore la main ? Je garde la main. Il conserve la main. Voici le mot. Zorro. Masque. Bravo. Oh. Et donc, un deuxième point s'inscrit pour l'équipe Sylvain. Florent, Maxence, qu'est-ce que vous faites ? Vous gardez la main ou vous la laissez ? Je prends la main. Vous prenez la main. Pour l'instant, votre équipe a 0 points. C'est la première qui va à 5, qui va en finale. Voici le mot avec lequel ça devient son mot. Maxence va jouer. Insecte. Mouche. Sylvain. Bois. Termite. Bravo. Ah non, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est pour ça. Eh oui. Garder la main ou laisser la main, c'est là. C'est toute la stratégie. Parce que autant pour Zorro, masque, ça a marché. Là, insecte, évidemment, pour arriver à termite, c'était difficile d'être meilleur que vous, là. Mais le mot bois, insecte, bois, ça y est, ça amène termite. Il y avait Thierry, sinon. Thierry Termite. Oui, Thierry Termite. J'y ai pensé également. Alors... 3 points pour Sylvain et Florent. C'est l'équipe qui arrive à 5 qui va en finale. Mais pour l'instant... On va se reprendre, hein, ça suffit. Absolument. Qu'est-ce que vous faites, Sylvain ? Vous gardez la main ? Je garde la main. Oh, gardez la main. Quel égoïste ! Vous pouvez la passer un peu des fois. Vous l'aurez tout à l'heure. Alors, il garde la main. Il va faire jouer Florent. 10 secondes pour donner un mot à 10. 10 secondes à Florent pour donner ce qu'il croit être le mot de passe. Sinon, évidemment, c'est Maxence et Nathalie qui jouent. Avec ce mot-là. Ferme. Animaux. Étable. Vache. Foin. Grange. Bravo! Super. Oh là là, c'est bien joué. Vous avez dit animaux ? Allez. Vous avez dit animaux ? Qu'est-ce qu'il y a d'animaux ? Vache, ah, c'est lui. Vache, vache, vache. D'accord. Alors, Maxence, là. Qu'est-ce que vous faites ? Ils ont 4 points. Oui. Est-ce que vous voulez prendre la main ou laisser la main ? Alors, si vous laissez la main, que le mot est facile, il termine. Ben voilà, ouais. Mais, c'est un vrai pari. Yes. Hein. Hey. Si jamais il laisse, et c'est de votre faute, vous venez tous ici, hein. C'est un vrai pari. Parce que si le mot est un peu compliqué, vous avez la possibilité... Pas forcément compliqué, d'ailleurs. Ouais, vous avez la possibilité d'avoir pour Nathalie déjà 2 informations, celle de Sylvain et celle de Florent. Mais, on ne sait jamais. Je peux vous dire que je n'ai pas le mot non plus, donc je peux ah même bon pas... Non, je ne l'ai pas. Je vais l'avoir en même temps que vous. Bah, tiens. Viens.
Est-ce que j'ai le mot? Ah non, mais par contre, qu'est-ce que vous faites? Un jeu, vous, pendant ce temps-là? Non, mais j'ai toutes les caméras. J'ai les caméras de sécurité. Oui, j'ai... On voit d'ailleurs ce qui se passe sur le parking. C'est sympa, hein, c'est sympa. Ah, on voit le sous-sol, la voiture, etc. On voit tout. Ah ben oui, on croyait qu'il y avait un réalisateur, mais non. Non, pas du tout. C'est moi qui appuie. C'est moi qui appuie. Bon, alors, Maxence. Blague à part, allez, qu'est-ce qu'on fait? Je la laisse. Tu la laisses? Ouais, je la laisse. Oui, bah vous êtes marrant, vous. Bah venez jouer, vous allez voir. On va jouer avec ce mot-là. Flûte. Pipeau. Attention, attention. Mince. Zut. Bravo. Allez. Allez, on se remet là. On y va. Allez, mon gars. C'est bon. Non, puis c'est bien. C'est bien parce que... Et c'est ça qui est bien dans ce jeu. Il l'a interprété. Parce que la façon dont vous faites, quand il fait mince, c'est vraiment, c'est presque zut. Bah, voilà, et c'est pour ça que tu l'as trouvé, interpréter ce que vous avez à faire deviner. J'étais même étonné, je me suis dit, mais on a le droit donc. Ben on a le droit. Il fait pas un mime. Ah, c'est pas un mime, oui, d'accord. C'est si tu veux par exemple faire entendre hurler, tu peux faire crier. Ah oui, d'accord. Non, tu fais pas. Ah oui, voilà, justement, oui. Fais pas ça, je crie vraiment. C'est un problème parce qu'elle comprend pas grand chose. Oui, c'est ça. Alors j'ai. Non, mais attends, elle est gentille. Elle m'a demandé, ils sont où les nains avec les clés? Non. Elle est très sympa, hein. Elle est très sympa. Oui, mais elle est limitée. Mais bon. Oui, mais c'est ça, elle est limitée. Bah oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut avoir le temps. Voilà, il faut avoir du temps devant soi. Bon. Pardon, on y va. Non, Sylvain, on est concentré, nous. Hein. Zut, on a un point, mon gars. Bon. Allez, on y va. Allez, vas-y. Sylvain, bon. 4 points. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à vous de dire. Attends, c'est à Sylvain. Attends. Nathalie, c'est à Sylvain. Ah, très bien. Vas-y. Je vais garder la main. Avec 4 points, vous gardez la main. Je garde la main. Chacun sa stratégie. Tu vas le regretter, mon gars, je te le dis. La formule offensive. Voici le mot. Test. Examen. Eh bien, vous avez bien fait. Bravo. Voici l'équipe gagnante qui va en finale, Sylvain et Florent Père. Vous avez été meilleur que Maxence et que Nathalie Corré. Bah oui, mais ça dépend des fois, voilà. Bah des fois, on est bon, des fois, on n'est pas. Ça peut pas marcher. Avoir deux points bonus, quand même. C'est bien ce qu'il a fait de l'aider, de l'amener comme ça. Non, le problème de Nathalie, maintenant, c'est qu'elle va devoir retaper toute seule la 4L. C'est ça. Elle a intérêt à avoir beaucoup de copains, parce que Maxence, il était venu pour gagner, pour réparer sa 4L. Il a fait Alors, je sais pas, t'as pas des copains garagistes qui peuvent l'aider parce qu'il J'ai une clé de 12, éventuellement, ça peut l'aider. Très bien. On peut commencer avec ça. Vous aussi, vous pouvez jouer et gagner la somme de 3000 euros. Il vous suffit de gagner, évidemment, en trouvant le bon mot. Voici les indices. Sport, glace et candeloro. Alors, d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce 1, patinage ou 2, rallye? Je vous répète, les indices. Sport, glace et candeloro. Envoyez votre réponse, 1 ou 2, par SMS au 7-10-20 ou téléphone au 32-43. Bien sûr, un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. On va jouer tout de suite. Vous allez jouer tout de suite et nous... En proposant à Nathalie d'accompagner Maxence pour assister à la finale dans le public, on va jouer ici avec Sylvain et Florent Père pour la finale. Voici donc l'équipe gagnante en finale, Sylvain et Florent Père dans le public que je salue, car on a un public formidable. Hein. Oui. Vous êtes formidables, hein, c'est vrai. Vous verrez, il y a donc dans ce public Nathalie Corré. Et Maxence. Il pleure. Maxence, faites très attention parce que Nathalie recherche toujours beaucoup de tendresse. Hein. Je m'en occupe. Alors à la fois, c'est bien un temps, mais à un moment donné, il faut savoir prendre ses distances. Pas du temps, vous. Attendez-vous. Nathalie. Il y a des gens qui regardent, vous l'avez dit tout à l'heure. Nathalie, on peut se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Tu sais comme je t'aime. Oui, mais c'est pas une raison. Hein. Voilà. Je lui tourne le dos, tiens, voilà, comme ça. Ça va, là, je suis pas trop collante, là, non? Tout d'un coup, j'imagine que Maxence a une vie privée également. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu à la télé. Mais c'est qui la fille, là, qui est à côté, etc. Comment ça, c'est qui la fille? Non, mais je vais m'énerver, hein. Tournez-vous, vous. Voilà, tournons-nous. Voilà, comme ça, on est bien. On joue
Allez-y, jouez. Allez-y, jouez. On joue, alors ne m'envoyez pas des mails et tout ça. Nous aimons beaucoup Nathalie Corée. Franchement, il n'y a pas assez. On plaisante, évidemment, on plaisante. Sylvain, on va regarder la pyramide des gains. 1000 euros, c'est 5 mots sur 9. 2500 euros, 5 mots sur 8. 5000 euros, 5 mots sur 7. 10 000 euros, 5 mots sur 6. Et le public le sait, 20 000 euros, 5 mots sur... La gueule, c'est que la gueule. À chaque fois, vous aurez 1 minute 30. À chaque fois, vous aurez la possibilité d'utiliser 3 indices pour faire découvrir un mot. Et quand vous passez un mot en finale, le mot ne revient pas. Vous pouvez donc gagner cette belle somme de 20 000 euros. On va y aller étape par étape. Si vous arrivez à 2500, quoi qu'il en soit, les 2500 euros seront à vous. Et vous aurez la possibilité d'utiliser un joker, je vous en parlerai, pour continuer. Face à vous, Florent Père, tout public ou pas, c'est son spectacle à travers la France et à la Cigale au début du mois de juillet. Attention, 1000 euros, 5 mots sur 9. Dialogue. Autre mot. Maisonnette. Cabane. Angleterre. Rennes. Capitale. Londres. Séchant. Mouillant. Régulièrement. Alternativement. Souvent. Fréquemment. Charentaise. Pantoufle. Pas de problème, on a simplement bipé monologue parce que dialogue et monologue, c'est de la même famille. Bravo pour la cabane, pour Londres, mouillant, séchant, fréquemment. Vous avez assisté, vous avez bien fait, les Charentaises ont amené les pantoufles, ça fait 1000 euros. Vous pouvez partir avec 1000 euros ou tenter les 2500, que faites-vous? On va tenter les 2005. 2500 euros. Ça m'étonne. Je gagne 1000 euros. 5 mots donc maintenant sur 8. Là encore, il y a de la marge. Et toujours 1 minute 30. C'est parti. Guignol. Info. Poupée. Marionnette. Athènes. Grèce. Habitant. Grec. Tennisman. Noah. Prénom. Yannick. Bouquet. Fleur. Vendeur. Fleuriste. Fable. Fontaine. Perrault. Conte. C'est très bien maîtrisé, c'est parfaitement joué de part et d'autre d'ailleurs. Marionnette, grec, Yannick, fleuriste, comte, ça fait 2500 euros qui sont, quoi qu'il en soit, à vous maintenant, Sylvain, même si vous deviez ne pas réussir la suite. Maxence, qui est avec Nathalie, comment vous trouvez la finale, Maxence? Ça se passe bien. Il y a la dame qui est toujours là, mais la ça dame se passe est bien. Là, oui. Le cougar s'est endormi. Il y a la lumière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Ah oui. Je vous avais prévenu, la dame sera souvent là maintenant. On va passer peut-être, une fois cet intermède passé, à 5000 euros, on est dans le jeu. 5000 euros avec ou sans joker? Sans joker. Sans joker. C'est parti, maintenant. Arbuste. Plante.
Japonais. Banzai. Illuminé. Éteint. Photo. Flash. Verbe. Flasher. Attaquant. Défenseur. Armoire. Placard. Poule. Coq. Le tout en 32 secondes. Hein. C'est super bien joué, Banzai. Flasher, défenseur, placard, coq. Restez bien concentrés comme vous l'êtes, parce que je suis sûr que ça vous fait gagner du temps et en même temps, évidemment, des euros. Et vous avez le temps d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez attendre de votre partenaire. 10 000 euros avec ou sans joker? Sans joker. Sans joker. Cinq mots. Toujours cinq. Sur six. Une erreur possible. C'est parti. Chirurgie. Opération. Ferreux. Métallique. Lion. Collant. Cri. Hurlement. Miauler. Aboyer. Positivisme. Négativisme. Escargot. Coquille. Sang. Limace. Chaise. Table. Confortable. Fauteuil. Ah, c'est bien joué. C'est super bien joué. Super bien joué. Alors, le troisième, j'ai pas compris parce que lion collant, mais c'était. Ah, c'est lion. Lion. J'ai compris liant. Je comprenais pas pourquoi il disait collant, c'était lion. Quand vous dites ferreux et qu'il dit métallique, je dis chapeau. Ah là, je dis chapeau. Ouais, pourtant, on les déteste, mais on doit avouer que. Vous avez gagné la somme de 10 000 euros. Vous n'avez pas utilisé le joker. Vous avez trois possibilités. La première, c'est de nous dire dès maintenant au revoir et on vous fait un chèque de 10 000 euros. La deuxième, c'est de demander à voir le joker et après, seulement après, vous direz si vous jouez 20 000. La troisième, car il y a une troisième, c'est de jouer 20 000 sans joker. Je vais prendre le joker. Donc c'est la deuxième possibilité. Avant de voir le joker, qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Il y a la quatrième solution, c'est de lui donner un peu pour sa voiture. Le pauvre, il pleure depuis tout à l'heure, il a des secousses, moi ça me rend triste. Ça me fait de la peine. Il pleure pour sa voiture, il pleure parce que t'es assise à côté de lui. C'est pas... Tu vas voir lion collant, toi, parce qu'on s'est demandé si t'es pas un peu pervers. Hein. Tu vas voir. À la demande générale, Nathalie Corré fera partie de toutes les émissions maintenant. Donc... Mais dans le public uniquement. Hein. Voici le joker demandé, les cinq mots d'une liste qui en comprend cinq, à savoir que notre candidat Sylvain va voir avant de se décider tous les mots à jouer. Prenez votre temps. Cinq mots sur cinq, c'est aucune erreur. Alors, c'est quoi la décision, Sylvain ? On la joue. Allez. Allez, bonne surprise. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous observiez le silence le plus complet.
On joue pour la somme de 20 000 euros, ce qui est une très importante somme. J'étais sûr qu'il y allait. C'est parti. Spaghetti. Pâte. Soupe. Vermicelle. Zola. Émile. Président. Hollande. Allemand. Merkel. Fonction. Chancelier. Dumbo. Éléphant. Petit. Éléphanto. Fantôme. Casper. Château. Hanté. Quelques instants, rien que pour vous, vous allez avoir à chaud les réactions de notre gagnant. Il vient de gagner 20 000 euros. Je vous dis à très vite. Écoutez ses réactions, c'est maintenant. J'ai vu les 5 mots du Joker. Au final, je me suis dit, on va y aller. Ce sont des mots qui sont pas très durs. On se comprend bien. Donc, on est là pour gagner, on y va. Et franchement, bon, au début, on n'a pas du tout écouté parce qu'on avait des trucs à se raconter. Oui, il y avait un feeling. Bon. Maxence, c'est toi, il y avait un feeling. Je l'ai vu. Voilà. Surtout toi. Mais en fait, c'est rigolo, c'est que après, on vibre pour vous. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que ton candidat, je crois que son métier lui correspond très bien. Ou alors, il l'est devenu grâce à... Sang-froid de folie. Un sang-froid. Un sang-froid. Et au moment où il a gagné, c'est dément. Au lieu de faire « ouais », il fait « voilà, mission accomplie ». Voilà, c'est fait.